OK. Donc, je vais commencer. Vous étiez où? Système numérique. OK. Système. Oh, ITI 1500, c'est ça? Il y avait un quiz? Il y avait. Ça a débordé. OK, ça a débordé. All right. Oui, 13:48, je m'en doute. Ouais. À tous les deux semaines. Oui. C'est le dernier. Ah, OK. Ben oui, c'est à tous les deux semaines. C'est le dernier, forcément. Oui, c'est plate que vous soyez en retard. J'allais vous faire des compliments sur votre taux de participation à l'évaluation. Je vais vous le faire quand même. Donc, on va parler de récursivité aujourd'hui. Puis je vais revenir à ça dans une minute. Je vais commencer peut-être par justement mes félicitations. Comme je dis à tout le monde, j'ai confiance en vous. Vous êtes super bons. Notamment, il y avait un prof la journée où il pleuvait beaucoup qui m'avait dit « Ah, regarde, moi j'ai juste 30 % de mes étudiants qui sont là. » J'ai dit « Non, les miens vont tous être là. » Et vous étiez tous là. Je vous avais mis au défi de participer pour l'évaluation. Je pense que je n'ai jamais eu des taux aussi élevés sur papier, fait que vous avez bien fait votre travail. Évidemment, ça peut être inquiétant aussi. Ça pourrait être que vous avez des choses vraiment à dire négatives puis vous vouliez tous participer. Je vais voir ça cet été. Mais je ne suis pas si inquiet que ça non plus. Ça fait quand même un petit moment que j'enseigne ça. OK, donc merci beaucoup pour votre taux de participation. C'est très apprécié. Ça ne prend pas beaucoup de temps à faire, puis c'est utile. Vous savez qu'il y a un devoir qui s'en vient. Il y a, entre autres, des questions sur les itérateurs. Peut-être que ça peut être une bonne idée de travailler là-dessus, au cas où ça reviendrait à l'examen final. Je ne sais pas, moi, je voudrais que j'en parle au prof, là. Mais si vous y pensez, si vous prenez un peu de recul, là, le dernier cours était vraiment, on en a vu pas mal dans un cours, mais si vous prenez un peu de recul, l'itérateur, pas si compliqué que ça, c'est un objet qui nous permet de nous déplacer. Cet objet-là a une variable current de type node. Au début, il pointe vers le premier. Chaque fois que j'appelle sa méthode next, il se déplace d'une position. Donc, c'est vraiment ça. Pour la mécanique de comment on l'implémente, il faut jouer avec, il faut regarder. Là. On peut parler, mais je pense que c'est au moment où vous allez mettre les doigts sur le clavier que ça va devenir plus réel. Mais comme je vous dis, probablement une bonne idée de regarder ça. Parlant de l'examen aussi, sur Piazza, je vous ai publié un sondage où je vous demande les journées où vous êtes libre et vous comptez venir. Donc, si vous ne voulez pas venir, pas besoin de remplir le sondage. Mais par contre, si vous pensez que ça peut être utile de participer à une de ces sessions-là, complétez ça, puis je vais réserver des salles pour qu'on puisse se rencontrer puis discuter de l'examen. OK, le devoir, l'examen. Avez-vous des questions de votre côté? Non? Super. Donc, aujourd'hui, on parle de récursivité. Donc, il y a un truc qui est le fun ici, c'est récemment, je vous ai demandé la récursivité, ça va? Tout le monde dit ouais. Donc, c'est des listes puis de la récursivité. Vous connaissez les listes, vous êtes habile avec la récursivité. Donc, c'est un cours où on n'apprend rien. Il n'y aura rien de trop nouveau aujourd'hui. Toutes des choses avec lesquelles vous êtes familier. Ça devrait vous rassurer. Moi, j'adore la récursivité. Mes langages favoris n'ont même pas de boucle. Ça n'existe pas. Si je veux faire des itérations, je dois utiliser la récursivité. Donc, c'est un sujet que j'adore. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la fondation qui s'appelle GNU?
qui a des... Oui, tu connais? Qui a des logiciels. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, GNU? GNU veut dire... GNU is not Unix. C'est un acronyme récursif. OK. Donc, qu'est-ce que vous avez solutionné comme problème à l'aide de la récursivité jusqu'à maintenant? Puis à partir de là, ou si ça vous êtes plus à l'aise, vous pouvez me dire, répondre à la question suivante. Quel genre de problème on peut facilement aborder avec la récursivité? La récursivité, ce n'est pas nécessairement la solution à tout, mais il y a des choses qui se font drôlement bien avec la récursivité. Tu te souviens-tu ce que tu as solutionné avec la récursivité? Non? Non. Tu te souviens-tu? Non? Oui? OK. Tu as pas mal d'éléments là, de ce que c'est la récursivité. Je vais vraiment amener ça dans un moule bien précis très bientôt, mais il y a une idée de convergence derrière tout ça. Oui? OK. Donc, la factorielle est un exemple vraiment... je ne sais pas, le meilleur exemple, la factorielle de nombre n et n fois la factorielle de n moins 1. Quand est-ce que ça s'arrête, cette affaire-là? Quand j'ai 1 ou 0, j'ai un code base. La factorielle nous donne déjà plusieurs clés importantes que il doit y avoir cette idée que les problèmes sont de taille de plus en plus petite. Il doit y avoir une taille de problème tellement trivial, je peux répondre sans appel récursif. C'est des ingrédients importants de la récursivité. OK, donc, on utilise la récursivité quand on veut solutionner des problèmes, puis qu'il devient évident qu'il y a une façon de diviser ce grand problème-là en sous-problèmes, puis que les sous-problèmes sont de même nature. Fait qu'on est en train de construire une méthode pour solutionner le problème. Je crée un problème plus petit, il est de même nature, je peux utiliser la même méthode. Et à chaque appel récursif, les problèmes à traiter sont de plus en plus petits. C'est vraiment important parce qu'avec la récursivité, on a la même idée qu'il est possible de faire des boucles infinies, où on a une boucle où la condition de fin n'est jamais vraie. L'ordinateur est pris dans cette boucle-là. C'est difficile à déboguer parce que si soi-même, on est en train de le tracer, on est pris dans une boucle. Avec la récursivité, est-ce que le comportement des algorithmes qui ont ce problème-là, où on ne détecte pas la fin, est-ce qu'ils vont se comporter de la même façon qu'une boucle infinie? Avez-vous déjà essayé? Avez-vous déjà eu un algorithme récursif où vous avez fait une erreur, vous n'avez pas détecté le code base, puis la méthode se rappelle? Se rappelle? Ouais. C'est pas une erreur, mais comme j'ai pensé à un peu, je pense que c'est le temps que tu fais pas tout le genre. Puis si tu fais ton appel avec un chiffre trop gros, bien, ça donne une erreur, puis genre, c'est ce genre. Ça donne pas de code d'erreur, mais juste, j'ai demandé qu'il y ait une limite au nombre d'appels récursifs que tu peux faire avec un ordinateur. Bien. En fait, on peut répondre de façon très, très précise maintenant. L'exécution des méthodes force la création d'un bloc de mémoire de travail qui est empilé sur une pile. Cette pile-là a une taille limitée. Et donc, s'il y a des appels en très grand nombre, éventuellement, on va avoir Stack Overflow. Donc, les méthodes récursives vont terminer avec Stack Overflow parce que chaque appel
consomme de la mémoire. Ouais. Ben ton ordi. Parce que le système d'exploitation, quand tu lances une application, on va lui allouer une zone de la mémoire. Donc, on peut pas, les programmes ne peuvent pas s'étendre, se répandre et utiliser. De toute façon, ton ordinateur a une taille limitée. En Java, quand tu lances Java, tu peux lui dire, tu peux lui donner un paramètre, puis tu lui dis c'est quoi la taille. Donc, tu peux lui dire, exécute ce programme avec 10 gigas de mémoire pour la pile. 10 gigas, c'est pas mal. Donc, c'est quelque chose qu'on a un contrôle. OK. Donc, on a un problème. On le divise en sous-problèmes. Les problèmes sont de même nature. C'est vraiment critique qu'à chaque appel, le problème à solutionner soit plus petit. Sinon, il n'y a pas cette idée de convergence-là. On va avoir de la récursivité infinie. Il y a une taille de problème tellement petit, trivial, qu'on dit « Ah, la solution est… » Puis là, on n'a pas d'appel récursif, on solutionne. OK, donc, pourquoi la récursivité? OK, donc, ceux qui aimeraient moins ça pourraient dire « Mais pourquoi la récursivité? » Bien, il existe des langages de programmation où il n'y a pas de boucle. Donc, si on veut faire des choses itératives, il faut écrire des solutions récursives. Entre autres, Lisp et Prolog sont beaucoup utilisés en intelligence artificielle. C'est des beaux langages, non pas de boucle. Ces langages-là, par contre, le compilateur est suffisamment intelligent que l'usager, le programmeur, écrit du code récursif, le compilateur produit du code machine itératif. Donc, ça ne consomme pas de mémoire avec dans certains cas. Vous pouvez me dire, « Ouais, Lisp, Prolog, ce n'est pas mon truc, je ne veux pas faire de la recherche en intelligence artificielle. » Il y a un truc pour les technologies web qui s'appelle les transformations XSLT qui permet de prendre un document XML ou XHTML, puis de le transformer automatiquement, ce langage-là est un langage récursif. Donc, il y a plusieurs domaines où être habile avec la récursivité est utile. Dans le cas des listes, je vais être bien clair, on le fait aujourd'hui comme exercice à figure de style. En réalité, pour les listes, on n'écrit jamais du code récursif en Java. Okay, donc, si vous allez dans l'industrie, n'écrivez pas du code récursif pour une liste parce que chaque appel récursif va consommer un bloc de mémoire sur la pile. Vous allez rapidement avoir un débordement de pile, Stack Overflow. Avec les arbres de binaire, on écrit toujours du code récursif, même dans l'industrie, parce que les arbres ont une profondeur maximale, on va voir, qui est log n. Ça va être une profondeur maximum de 50. Puis la profondeur de la pile, ça va être la profondeur de l'arbre va être la profondeur de la pile. 50, c'est rien. Fait qu'il n'y a pas de problème de mémoire. Puis le code qu'on va écrire là va prendre 3-4 lignes de code en Java. Si vous essayez d'écrire la même chose sans récursivité, ça devient des dizaines et des dizaines de lignes, c'est incompréhensible. Vous allez voir, avec les arbres, on écrit toujours des méthodes récursives quand on veut traverser l'arbre au complet parce que c'est simple et que ça ne consomme pas beaucoup de mémoire. OK, donc, une couple de lignes directrices. Je vais insister beaucoup sur l'idée que la récursivité est contrôlée par les paramètres. Si vous pensez écrire une méthode récursive, puis que vous vous mettez à penser en termes de variables d'instance, en bon canadien, on dirait « vous êtes dans le champ ». Ça ne marche pas. La récursivité se contrôle par le paramètre factoriel. Je reçois n
je fais un appel à la méthode factorielle en lui passant n-1. Cet appel-là a reçu n-1, pour lui c'est n, il fait un appel récursif, il passe n-1, ce n-là devient plus petit. C'est par les paramètres qu'on contrôle la récursivité. Premier point. Deuxième point, c'est que le code va toujours commencer par un cas de base. Code base, c'est les freins, c'est le test de la boucle. Je suis en train de traverser une liste, puis je veux faire tant que je n'ai pas atteint la fin de la liste. While current.next is not empty. Je veux traverser la liste, j'ai mon test. Le code base, c'est la même chose, c'est ce qui va appliquer les freins. Je regarde la valeur, puis le test, ça va tout le temps être, je regarde la valeur du paramètre. Est-ce que je suis capable de répondre à la question? Oui, je réponds. Non, ça veut dire qu'il faut que je décompose le problème, cas général. Parfois, on va faire quelque chose avant l'appel récursif. On va faire un calcul, on va créer une structure de données. Il y a quelque chose à faire avant l'appel récursif. Nous, on va travailler vraiment avec des listes. L'appel récursif, ça va toujours être, j'appelle la méthode, mais avec la référence de l'élément suivant. Fait que le problème, il va être plus petit parce que j'ai enlevé un élément, j'ai créé une liste qui était un élément de moins. La méthode récursive va ramener quelque chose. On va avoir un post-traitement, généralement, où à partir de ce qu'on a obtenu dans l'appel récursif, ça revient. On dit, OK, maintenant, comment je peux composer une solution pour le problème courant? OK, ça va être le patron général. Ça devrait ressembler à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Oui, pas de surprise. OK, donc, vous avez déjà vu factoriel. Ici, je l'ai écrit suivant mon modèle. On contrôle le calcul à partir du paramètre. C'est ce que je reçois en paramètre qui va m'indiquer si je dois stopper la récursivité. Première chose à faire, code base, je regarde. Si la valeur de n est plus petite ou égale à 1, je peux te donner la réponse tout de suite. Le résultat, c'est 1. Aucun appel récursif. Sinon, ici, j'ai voulu vraiment suivre mon modèle. Pré-traitement, j'ai créé un problème plus petit. N1, c'est N-1. C'est un problème où je traite un intervalle de valeur qui contient une valeur de moins. Appel récursif à factoriel, en lui passant la valeur N1, ça revient, ça me donne un résultat qui est dans S. Puis là, c'est là où en post-traitement, je recompose la solution. Si je sais que S, c'est la factorielle de N-1, quelle est la valeur de la factorielle? C'est n fois s. Puis on retourne. OK, celle-là, je l'ai écrit pour qu'elle se modèle bien sur mon patron. Souvent, j'écris la récursivité de façon beaucoup plus compacte. C'est souvent ce qu'on aime de la récursivité. C'est la même chose ici. Factorielle de n. Je fais mon code base en premier. Si n est plus petit ou égal à 1, je retourne 1. Si je suis ici, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que je peux conclure? Si je suis à l'endroit désigné par la flèche. C'est ça. Forcément, n est supérieur à 1. Problème compliqué. Brisons le problème en sous-parties. J'appelle factoriel de n-1, ça revient, je multiplie le résultat par n, voilà la solution. Vous voyez, c'est quasiment l'équation mathématique dans ce cas-ci, c'est compact. Ça va être aussi élégant avec les listes, vous allez voir, ça ne sera pas très compliqué. OK, donc, je vous propose une recette que j'appelle « head and tail ». L'idée va être tout le temps la même dans ce cours-ci. Les listes, c'est quelque chose de linéaire. Diviser le problème en sous-problèmes, ça va être dans ce cours-ci
Je retire une position, j'appelle la méthode sur le reste, ça revient, je recompose une solution pour le problème courant. Je retourne ça à la plan. Donc, head, c'est pas head dans le sens du premier élément, c'est head dans le sens le premier de cette sous-liste. Vous allez voir, vous allez, ça va vraiment tellement être automatique que vous allez pouvoir écrire le code de façon assez systématique. Donc, avec les listes chaînées, puisqu'on se promène toujours dans une direction, on descend dans la liste, puis ensuite on revient des appels récursifs, il est assez avantageux d'utiliser une liste qui va être simplement chaînée. Donc, je suis dans la classe linked list, j'ai ma classe imbriquée statique et elle est simplement chaînée. J'ai juste next. Je n'ai pas de previous. Dans ce cas-ci, j'ai une variable head qui pointe vers le premier élément de la liste. Le premier problème qu'on veut attaquer, vous allez voir, il est super simple. On veut calculer la taille d'une liste, puis on veut faire ça de façon récursive. C'est à peu près la chose la plus simple à faire. Donc, imaginez maintenant, il y a une liste. Elle commence possiblement à l'autre bout là-bas, puis elle s'en va jusqu'à là-bas. Ça, c'est la fin, ça, c'est le début. Puis présentement, current va pointer vers un élément. Si je sais que la taille de la liste qui débute à current.next, cette taille-là, c'est n. Quelle est la taille de la liste qui débute à current? OK? Il y a des gens qui sont un peu « Ouh! Gros problème! » Current pointe vers un élément. Magiquement, on m'a dit, à partir de current.next, il y en a n éléments. À partir de current, il y en a combien? Il y en a n plus 1. Comment est-ce qu'on peut calculer la taille de la liste qui débute à n plus 1? C'est un problème de taille. Oh! C'est un problème de taille et c'est une liste. Bien, j'étais justement en train d'écrire une méthode pour calculer la taille d'une liste. Je peux l'utiliser. Quelle est la plus petite liste que la méthode pour le calcul de la taille, quelle est la plus petite liste qu'elle doit traiter? Pardon? Un seul? J'en ai une plus petite qui est vide. Vraiment, ça ne peut pas être moins que vide. Donc, vraiment, vide, c'est la plus petite liste. Quelle est sa taille? Zéro. Ça vous inspire du code? OK, donc, quand je vous disais, ça va être systématique, cette chose-là, on peut commencer à réfléchir sur le problème en posant ceci. Je suis en train d'écrire une méthode 16, je l'appelle sur current.next, je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai? Ah, bien, j'ai la taille de la liste qui débute à n à current.next. Ça, c'est n. Si j'ai ça, comment je peux trouver la valeur de la liste au complet? Bien, ça sera n plus 1. On a déjà résolu le cas de la liste la plus petite, ce qui va nous amener à ceci. OK, si current est égal à nul, code base, il ne faut surtout pas que j'aille plus creux dans la liste, je vais avoir null pointer exception. Si current est égal à nul, je réponds immédiatement, la taille de la liste est 0. Sinon, appel récursif, 16 de current.next, ça revient, c'est n, je retourne n plus 1. La méthode 16, quel va être le type de son paramètre? Oui.
Node, ça va, ça sera de type Node. Node, est-ce que on peut déclarer une variable de type Node à l'extérieur de la classe LinkedList? Non. Node, c'est un détail d'implémentation. La variable head qui va pointer vers le premier élément, elle est privée. Donc ici, on est à l'intérieur de l'implémentation de la liste. Donc les méthodes récursives que je vous propose vont toujours avoir deux parties. Je regarde dans mes écrans pour m'assurer que j'ai le bon. OK. Les méthodes vont toujours avoir deux parties. Une partie qui est publique, la méthode size calcule la taille d'une liste. Elle n'a pas besoin de paramètres. Il y avait une liste L, on fait L.size, on appelle la méthode size de l'objet désigné par L, il y a déjà un objet liste. Pas besoin de paramètres. Celle-ci va appeler une méthode privée. Puis vous allez remarquer que la signature de la méthode privée est toujours augmentée d'au moins un paramètre, current, qui va contrôler la récursivité. La méthode size récursive reçoit en paramètre la référence current, pointe vers un élément, appelle la méthode size de façon récursive. Dans cet appel-là, il y a un paramètre qui s'appelle current, évidemment, lui aussi, désigne un élément. Okay? Il y aura toujours ces deux parties-là, une partie publique, une partie privée. La partie privée possède ce paramètre-là, current, qui nous permet de contrôler la récursivité. On va regarder un petit exemple. Okay, donc, en haut à droite, j'ai le code de la méthode privée. Donc, la méthode size, taille, reçoit un paramètre, la référence d'un élément, un objet de type node. Si current est égal à nul, c'est simple, la taille de cette liste-là est zéro. Sinon, c'est un problème que je ne peux pas résoudre immédiatement. Appel récursif en passant current.next. Imaginons que je suis présentement dans un appel à la méthode size qui a un paramètre current qui pointe vers cet élément-là. J'exécute la méthode. Est-ce que current est nul? Pas vraiment. Je vais donc ici, return 1 plus size de current.next. Donc, exécutons cet appel. Lorsqu'on a fait l'appel, on a pris current.next. Donc, dans... Wow! Multitouch. Ça gâche la vidéo. Alors. En plus, je me suis ramassé pas mal loin dans ma présentation. OK, j'étais comme à la fin de ma présentation. OK. Bon. OK, donc, au moment où on fait l'appel, ici, current pointe vers cet élément-là. On appelle la méthode size, puis on passe current.next. Donc, cette méthode current-là, elle a
un paramètre, cette méthode 16, elle a un paramètre qui s'appelle current. On a passé current.x dans cet appel-ci, current.là. Est-ce que current est nul? Non. On retourne donc return 1 plus 16. On passe current.next. Dans cet appel-ci, current désigne cet objet-ci. Ce qu'on passe, c'est .next. Donc, quand on appelle la méthode 16, qui a un paramètre current, la valeur dans cet appel-là, c'est donc current.next, cet appel-ci, current.là. Encore une fois, est-ce que current est égal à nul? Non. On dit donc return 1 plus 16. On passe current.next. Donc, current pointe vers cet objet-ci. .next, c'est la valeur nulle qui est là. Appel récursif à la méthode 16, qui a un paramètre current. La valeur qu'on a copiée ici, c'est le nul. Est-ce que current est égal à nul? Absolument. Je termine l'exécution et je retourne 0. J'ai terminé l'exécution. Je reviens là où j'avais suspendu le calcul. Je reviens là, je retourne 0. 0 et 1, 1. Je termine l'exécution. Je retourne le calcul là où je l'avais laissé. 1 plus 1, ça fait 2. Je retourne la valeur 2. J'ai terminé l'exécution ici. Je retourne le calcul là où je l'avais laissé. 2 plus 1 égale 3. Je vais retourner 3 à l'aplat. J'ai terminé l'exécution de toutes les méthodes. On va faire un petit quelque chose. Allez là. Donc c'est volontaire là, que l'écran est tourné. Ça évite que je vous demande de faire ça. Ce qui est assez agréable, est-ce que vous pouvez tout vous tourner pour voir? C'est super. Vous avez déjà vu, il y avait un poster pour le cinéma où on regarde, c'est un film 3D, donc tous les gens ont des lunettes. Puis on est à l'avant, puis on voit tous les gens avec les lunettes. C'est assez rigolo. Donc quand on est à l'avant ici, puis qu'on voit tout le monde faire ça, là, c'est le fun. OK, regardez ça. On a fait un appel à la méthode 16 en lui passant la référence de cet objet-ci. Il y avait donc la mémoire de travail sur la pile des appels qui était là. La méthode 16 a fait un appel à la méthode 16. On a créé un bloc de mémoire de travail. Sa variable current pointait sur cet élément-là. On s'est aperçu que current n'était pas nul. On a donc dû faire un appel récursif. On a passé current.next. Dans le prochain appel récursif, où on a créé un bloc, on l'a empilé sur la pile des appels, current pointait ici. Current n'était pas nul. Il a donc fallu faire un appel récursif. On a créé un bloc de mémoire de travail. On l'a déposé sur le dessus de la pile. Dans l'exécution de cette méthode 16-là, current était nul, termine le calcul, retourne la valeur 0. On a donc changé de couleur. On a donc retiré ce bloc-là et retourné le contrôle ici. Quand cette méthode-là a terminé, on a retiré ce bloc-là.
on a retourné le calcul ici, on a terminé l'exécution de celle-là, on a retiré le bloc, on a retourné le contrôle ici, on a retiré le bloc de l'appel. OK, donc, on comprend avec ça pourquoi la récursivité fonctionne. Chaque appel de méthode a ses variables locales, ses paramètres qui sont dans un bloc mémoire sur une pile des appels. On comprend pourquoi on ne peut pas faire un nombre infini d'appels récursifs. On va, à chaque appel récursif, on a un bloc qui est empilé sur la pile des appels. Oui? Ah oui, 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 absolument. Il y a vraiment, il y a un pop, si tu veux. Termine celle-là, pop. On revient ici, termine, pop. Termine, pop. Donc, on récupère la mémoire. OK, donc, si vous allez sur le web, il y a, avec ce lien-là, j'ai créé une petite animation YouTube qui est plus facile à lire que, que quand j'écris. Donc, si vous voulez revoir la chose en détail, c'est sur YouTube. Alors, ce serait quoi le premier appel? Je sais que c'était sur un des écrans, là, mais ce serait quoi le premier appel à la méthode 16 récursif pour calculer la taille d'une liste? Head? Pour lancer l'affaire, il y a une méthode publique. Qui, elle, va lancer le premier appel en lui passant la valeur de head. Et après ça, tout le reste est contrôlé par le paramètre. Je reçois quelque chose. Si current est égal à nul, j'ai terminé. Sinon, descente dans la liste, je vais plus profondément, appel récursif avec current.next. Oui? Sans demi-node. Oui. Oui, oui, j'ai voulu séparer les problèmes. Ici, on travaille avec ce qui est plus de base. OK, donc, le gabarit que je vous propose, c'est il y a toujours un paramètre, on peut l'appeler current. Il y a un code base, il est tout le temps au début. Évidemment, la condition va varier parfois. J'ai vraiment le multi-touch facile aujourd'hui. OK. Donc, il y a un cas de base. Parfois, ce sera « est-ce que current est égal à nul? » À ce moment-là, il n'y a pas d'appel récursif. On va pouvoir retourner un résultat. Sinon, parfois, il y a quelque chose à faire avant. Appel récursif avec current.next. À la suite, on recompose une solution pour le problème. C'est vraiment vous pouvez appliquer ce gabarit-là de façon assez systématique dans ce cours-ci. Puis moi, je commence souvent avec le cas général. Je me pose la question, si j'ai fait l'appel récursif et j'ai fait tout le travail, qu'est-ce que j'ai obtenu? Et de là, je construis ma solution autour. OK, donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'obtiens si j'ai fait l'appel récursif sur une liste plus petite? Et on recompose une solution. OK, on va faire un autre exemple. OK, pour la suite du cours, je suppose que les éléments de la liste ont une méthode compareTo. OK? Ça va être une liste qui fonctionne pour n'importe quoi, n'importe quoi qui a une méthode compareTo. En Java, il y a une façon d'imposer ça, le paramètre de type, le générique. On peut dire, c'est une liste qui marche pour tous les E. Ah oui, toutes les E? Non, pas vraiment, pas tous les E. OK, lesquels?
ceux qui ont une implémentation de l'interface comparable. Okay? Donc, on applique une contrainte, on dit c'est générique, mais limité aux classes qui implémentent l'interface comparable. On va avoir besoin de ça avec nos arbres binaires de recherche, donc je vous l'introduis tout de suite. Ça vous va-tu? OK. On veut créer une méthode findMax qui trouve la plus grande valeur dans une liste. OK? C'est un problème de liste. C'est un problème de trouver la plus grande valeur. Pour trouver la plus grande valeur, il va falloir que je les compare. Avoir une méthode compareTo, c'est pratique. Ma stratégie vous suggère, écrivez tout de suite l'appel récursif. L'appel récursif, je suis en train d'écrire une méthode findMax. Je vais donc l'appliquer, findMax, sur current.next. C'est une liste qui contient un élément de moins. Je fais l'appel, ça revient. Qu'est-ce que j'ai dans result? Qu'est-ce que result? Un maximum est de? Oui. Oui, on a un max d'une liste. Pardon? Non, j'ai clairement, c'est la plus grande valeur. C'est quoi son type? Tout ce qu'on sait, c'est que ça implémente comparable. C'est la plus grande valeur de quelle liste? Oui? Ah, on le sait. Ici, je suis dans une méthode findMax qui a un paramètre current. Yeah. Current pointe vers le nœud qui est devant moi. Je fais un appel, findMax, current.x, ça revient. Qu'est-ce que result? La plus grande valeur dans la liste qui débute à current.x. Ça a fait son travail, ça descend dans une direction, cette affaire-là. C'est parti vers la fin de la liste, c'est revenu. Ça me dit... Voici la plus grande valeur dans la liste qui débute à current.x. À partir de ça, quelle est la plus grande valeur dans la liste qui débute à current? On compare la valeur current.value avec result. Si current.value est plus grand que result, qu'est-ce que je fais? On retourne current.value. Si result est plus grand, on retourne result. Fin de l'histoire. Quelle est la plus petite liste qu'on peut traiter avec findMax? Un élément. Ça en prend au moins un. J'ai une liste qui a un élément. Quelle est la plus grande valeur? Celle-là. Current.value. Okay, vous voyez comment ça va être assez systématique. Donc, j'ai fait mon appel récursif, findMax. Va me trouver la plus grande valeur dans le reste de la liste. Reviens. Je compare le résultat avec current.value. C'est plus grand, je retourne ce résultat-là. Sinon, je retourne current.value. La plus petite liste est la liste qui contient un seul élément. Donc, on va appliquer les freins. Donc, on descend. Quand current, qui contrôle la récursivité, quand current.next est nul, je suis clairement, je pointe vers le dernier élément.
Je ne vais pas descendre, je ne vais pas faire un appel récursif, je ne vais pas aller plus profondément dans la liste. Je peux déjà répondre à la question. S'il n'y a pas d'autres éléments après, la plus grande valeur dans la liste qui débute à current, c'est current.value. Voici le code que je vous propose. Donc, dans la méthode public, findMax, si head égale à nul, ben c'est une erreur. No such element exception. Sinon, je sais qu'il y a au moins un élément. Je fais donc findMax, findMax privé. Vous voyez que la méthode findMax public n'a pas de paramètres. La méthode findMax récursive en a un de plus, celui qui contrôle la récursivité. Si current.next est égal à nul, ben je ne vais pas faire un appel récursif, je ne vais pas aller plus cru dans la liste. Je retourne la valeur current.value. Si je suis ici, c'est forcément parce que current.next n'est pas nul. Il y a donc plein d'éléments. Combien? On ne sait pas encore, mais il y en a suffisamment. Appel récursif, findMax, ça revient. Je compare result puis current.value. Si c'était result qui est plus grand, je retourne result. Sinon, je retourne current.value. C'est bon? Oui. Ah non, on peut mettre un else. C'est juste que pour moi, je trouve ça très élégant. Je vérifie quelque chose. Si je peux déjà déterminer la réponse, hop, je termine là. Le code, il y a moins d'indentation aussi parce qu'il n'y a pas tous ces else-là. Mais il n'y aurait vraiment aucun problème à mettre un else-là. OK. FindMax. Si on imagine que c'est des lettres, ça fonctionne bien. Je vais utiliser peut-être vert pour la méthode. Donc, si on imagine qu'il y a L est une référence qui pointe vers l'objet linked list, il y avait un appel qui était L.findMax. Donc, on appelle la méthode findMax sur l'objet désigné par L. La méthode findMax est exécutée dans cet objet-ci. Donc, c'est la méthode findMax. Elle a déterminé que head n'était pas nul. Ce qu'elle va donc faire, c'est return findMax. Oh, tiens, je vais revenir en arrière un peu. OK. Je vais utiliser rouge pour la méthode privée. FindMax en lui passant head. On exécute donc FindMax. C'est une méthode FindMax ayant un paramètre qui s'appelle current. La valeur de current, c'est head. Alors, si je regarde mon code, ça dit, est-ce que... on revient en arrière un peu, sinon... OK. Mon paramètre s'appelle P. Donc, on va essayer d'utiliser le même nom de variable. Donc, on a passé head. Le paramètre, ça pointe donc ici. Est-ce que p.next est égal à nul? Pas vraiment. On va donc écrire R est égal à find max de p.next. Donc, appel à la méthode findMax. Méthode findMax a un paramètre P.
Lorsqu'on a fait l'appel, on a passé P.next. Au moment de faire l'appel, P, c'est cet élément-là. Point.next, c'est ça. Donc, ce P pointe-là. Est-ce que P.next est égal à nul? Nope. Donc, on a dit R est égal à find max. On passe P.next. Appel à la méthode findMax. FindMax a un paramètre P. Donc, là où j'ai fait l'appel, P pointe vers cet élément-là. PointX, c'est ceci. J'ai copié ça dans le paramètre formel P. P pointe là. J'exécute ma méthode findMax. Ici, est-ce que p.next égale à nul? Absolument. Je vais retourner p.value. Je vais retourner c. Return p.value. Donc, cet appel-ci termine. Je retourne la valeur c. Je ramène le contrôle là où je l'avais laissé. Ça revient. J'étais ici. R est égal à la plus grande valeur. Je compare R et P.value. Je vais utiliser une couleur différente pour qu'on voit mieux. Donc, R est ici, c'est C. Dans cet appel-là, P.value, c'est ceci. C est plus grand que B. C'est plus grand que B. Je vais donc retourner C. Je termine cet appel récursif-ci. Le contrôle revient où on l'avait laissé. R a la valeur C. P.value, c'est ceci, c'est A. Est-ce que C est plus grand que A? Absolument. Je vais retourner C. J'ai terminé. La méthode privée findMax retourne le contrôle à la méthode publique findMax et elle va retourner à l'appelant la valeur trouvée qui, dans ce cas-ci, était C. Ça vous va? C'est pas si mal. Vous êtes déjà habile avec la récursivité, on commence à être habile avec les listes. Donc, le reste, on va juste passer à travers des exemples qui amènent des petites variantes, là où, faut adapter un peu notre approche. Premier exemple, c'est get. On veut une méthode get qui va aller chercher l'élément à un certain index de la liste. Avez-vous des propositions pour ça? Oui? Non, toi, j'essaie de voir ce que tu avais sur ton chandail. Puis, fleur de lys? OK. Comment? Quand tu me dis on a une variable, là, comme une variable locale? C'est une variable locale. Cet appel-ci a sa variable locale. Celui-là a sa variable locale. Celui-là a sa variable locale. Ils sont tous distincts. Ils ne vont pas se parler. Donc, non seulement quand on veut implémenter une méthode récursive, il ne faut pas penser en termes de variable d'instance, mais il ne faut pas penser non plus en termes de variable locale. Tu ne peux pas dire « j'ai une variable locale puis je vais la décrémenter à chaque appel ». Cette variable-là va être localisée à chacun des appels. Mais c'était peut-être pas ça que tu voulais dire. Non, mais c'est juste qu'on fait comme « if l'index auquel on est en ce moment est égal à l'index de la méthode que la méthode veut ». Oui.
Donc, je voulais get de 3. Je suis présentement, l'index courant, c'est 0. On va descendre. Puis, on va, à chaque fois, on va incrémenter cet index-là. Puis, quand l'index va être égal à la valeur recherchée, 3, on va retourner une valeur. Ça peut marcher. Ça ne sera pas une variable locale. Ça va être un paramètre additionnel. Tu vas dire au premier appel, tu es l'index 0. Il va dire, OK, je suis l'index 0. Il va dire au prochain appel, tu es 1. Lui, il va dire, OK, je suis 1. Il va dire à l'autre, tu es 2. On va passer en paramètre la valeur. Ça ne peut pas être une variable locale. Oui? Oui, moi aussi, c'est ce que je pense. On peut dire, hey, je cherche la position 3 dans une liste, je suis à la position 0. Quelle est la position recherchée dans une liste qui contient 1 de moins? Bien, son index, ça va être 1 de moins. Donc, on peut faire, j'avais get de 3 qui a fait get de 2, get de 1, get de 0. Ah, regardons, 0, c'est la position recherchée, lance la valeur. Donc, c'est généralement l'approche qu'on va prendre, ça facilite les choses. Donc, on va décrémenter la valeur avec chaque appel récursif. OK, donc, encore une fois, il y a toujours deux parties. Partie publique, on cherchait la position, l'élément à la position index. On appelle la méthode privée. On lui passe l'index, mais on lui passe aussi ce qui va contrôler la récursivité. On lui dit, toi, tu débutes sur le premier élément. Get the head et de l'index recherché. Puis à chaque fois, il suffit de décrémenter de 1 l'index. Donc, current pointe vers un certain élément, il peut en avoir plein d'autres, mais si la valeur d'un index, c'est 0, ah ben c'est simple, je retourne current point value, l'élément dans le nœud sur lequel on pointe. Sinon, si index est une valeur plus grande que 0, je fais le travail à partir de current.next en décrémentant la valeur de l'index. Donc, clairement, ici, il y a quelque chose de super rassurant quand on regarde le code. On appelle current.next. Ah, la liste devient plus petite. Je diminue index. Ah, index va diminuer tout le temps. Il y a donc cette idée-là que ça converge, on va arriver vers le code base éventuellement. C'est bon? OK. Il y aurait possiblement un autre code base. Si j'avais current pointé vers cet élément-là, index est présentement 4, appel récursif, current.next, current n'est pas nul, index c'est 3, appel récursif, current.next, current est nul, index égale à 2. Clairement, l'usager avait fait un appel en donnant une valeur d'index qui excédait la taille de la liste. Je l'ai détecté parce que current est égal à nul. Je lance index out of bound exception pour notifier l'erreur. Pas besoin de faire le petit diagramme, vous avez pigé. Parfait. OK, donc,
On avait 16, c'était le modèle général. Avec get, on a introduit l'idée que parfois, il faut décrémenter la valeur du paramètre aussi pour converger et localiser la position recherchée. Avec cet exemple-là, on va avoir un autre élément d'information. Donc, c'est une méthode index of qui veut trouver l'index d'un certain élément dans la liste. Okay? Donc, j'ai une liste A, B, C, D, E, j'appelle index de C. Ça va descendre dans la liste jusqu'à ce qu'on trouve C, puis ça doit retourner la valeur qui est là. Je vous dis, vraiment, on peut toujours commencer comme ça. Je suis en train d'écrire la méthode indexOf. J'écris indexOf. Je lui passe current.x, puis je lui passe l'élément recherché. Ça revient, ça me donne la position de l'élément. Qu'est-ce que S? Et qu'est-ce que je peux faire avec S? Donc, current pointe vers un certain élément de la liste. J'ai fait index of à partir de current.x. Ça revient, ça me dit 3. Qu'est-ce que 3? C'est la position de l'élément dans la liste qui contenait un élément de moins. Quelle est la position de l'élément dans la liste qui débute à current? 1 plus S? 4. C'est 1 de plus que... Est-ce que j'ai traité tous les cas? Pensez-y. Dans la méthode indexOf, il est courant de retourner moins 1 si on n'a pas trouvé. Je descends dans la liste, j'arrive au bout. Je n'ai pas trouvé la valeur, je retourne moins 1. Moins 1 n'est pas un index valide puisque c'est négatif. Je m'en sers comme une sentinelle pour indiquer le fait ou indiquer l'absence de l'élément. Donc, jusqu'à maintenant, il y a un cas que je n'avais pas traité. Il se pourrait que current.value soit la valeur recherchée aussi. Il faudrait que j'aie ça dans mon code. Je fais la proposition suivante. Donc, une fois que je suis revenu de mon appel récursif, donc index of, à partir de la position suivante, je cherchais l'élément. C'est revenu. Là, j'ai comparé, j'ai dit current.value, est-ce que c'est égal? Ben oui, c'était égal. Fait que finalement, la position de l'élément, c'est 0. Je vais retourner 0. Si S, c'était moins 1, je dois être prudent. Je ne l'ai pas trouvé dans le reste de la liste. Current.value, ce n'est pas la valeur recherchée. Il est absent. Donc, je dois retourner moins 1. Et sinon, current.value, ce n'était pas la valeur recherchée. Par contre, je l'avais trouvé dans la liste qui était un élément de moins. Sa position à partir de current, c'est 1 plus S. Okay, le cas de base, c'est si la liste est vide, bien, la réponse va être moins 1. On ne peut pas trouver l'élément si la liste est vide. Donc, je vous propose la chose suivante. La méthode privée, pour chercher un élément, a un paramètre current qui contrôle la récursivité. Premier élément de mon code base, si current est égal à nul, bien, j'ai aucune chance de trouver la valeur, je retourne moins 1. Quand j'ai parti du cas général ici, je vais plus profondément dans la liste, celle qui débute à current.x, je vais chercher l'élément, ça revient, c'est dans result.
Ici, je fais, est-ce que current.value est égal à l'élément? Oui, c'est la valeur recherchée, je retourne 0. Et sinon, si c'était moins 1, ça veut dire, on ne l'a pas trouvé dans le reste, ce n'est pas la position courante, je retourne le moins 1. Sinon, c'est 1 de plus que ce que j'avais trouvé. Ça marche-tu, cette affaire-là? Parce que des fois, je vous joue des tours. Est-ce que ça marche? Vous êtes sûr? OK. Ça marche. Est-ce qu'il y a un problème avec l'implémentation? Ouais. Pardon? J'entends pas. Ah non, ça c'est correct. Le return moins 1 veut dire je n'ai pas trouvé la valeur. Il y a un sérieux problème là. J'ai une liste, elle a 3 200 000 éléments. Elle débute avec A. Je cherche l'index de A. Alors, première chose à faire, appel récursif, on descend par là-bas. On revient, on regarde, ah, la valeur était là. Zéro, je retourne 0. Oui? Ici, là? Ça fait ça. Mais le truc qui est bête, c'est, pourquoi tu n'as pas regardé ici avant d'aller là-bas? Devant moi, j'ai le A. Bien, je n'ai pas besoin d'aller plus profondément dans la liste. La réponse est simple. C'est zéro. Je l'ai devant moi. Donc, c'est un cas de base supplémentaire. J'aurais d'abord dû valider. Donc, un nouveau cas de base. Premier cas de base. Current égale à nul, c'est clair que j'ai aucune chance de trouver la valeur, je retourne moins 1. Current n'est pas nul, mais current.value, c'est ce que je cherchais. Je retourne 0, fin de l'histoire. Je vais descendre seulement dans la liste si l'élément courant n'est pas la valeur recherchée. Okay, donc, c'est une question d'efficacité, puis c'est pas une petite question, là, c'est vraiment... S'il y avait des milliers d'éléments dans cette liste-là, c'est coûteux d'aller jusqu'à la fin, revenir ici et vous dire « Ah, c'était là! » All right. OK, donc c'était une petite chose. On ne fera pas index of last, mais avec index of last, est-ce que je peux faire cette optimisation-là? Est-ce que c'est utile de dire, est-ce que... La valeur recherchée est à la position courante? Non. Index of last, il faut vraiment se rendre jusqu'au fond. Puis c'est sur le retour qu'on va faire, qu'on va prendre nos décisions. OK, donc jusqu'à maintenant, on traitait un seul élément à la fois. Je vais probablement sauter par-dessus « is increasing » parce que le niveau de difficulté, je pense, n'est pas très grand. Il va suffire de regarder si « current.value » est plus petit que « current.next.value ». C'est croissant. Je descends. Si « current.value » est plus petit que « current.next.value », tout est bon. Je descends. Éventuellement, je vais taper à la fin. Je stoppe et on revient. Donc, celui-là n'est pas très difficile. Là, il était 43. Puis, vous avez votre examen de maths 13-48. Le dernier. Donc, on va probablement arrêter là parce que de toute façon, vous êtes déjà en train de reviser
dans votre tête pour l'examen. Donc, prochain cours, on fait des armes. Puis, vous êtes déjà en mesure de faire les trois quarts du devoir. Il n'est pas très compliqué. Il est vraiment là juste pour vous faire pratiquer ce qui pourrait, donc avec une certaine probabilité non nulle, apparaître à l'examen final.